Monsieur le Président, en tant que fille de parents réfugiés, je suis ravie de souligner la Journée canadienne des droits des réfugiés. À pareille date, en 1985, la Cour suprême a reconnu que la Charte canadienne des droits et libertés protégeait aussi les droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Malheureusement, 27 ans plus tard, le gouvernement fédéral cherche à brimer ses droits en politisant un processus de sélection des réfugiés qui se doit d'être juste, indépendant et équitable. Pour certains, le droit à l'appel serait aussi révoqué de façon discriminatoire par le projet de loi C-31. Non seulement on parle d'un gouvernement discriminatoire, mais on parle même d'expulser des réfugiés devenus résidents permanents. En 2012, Monsieur le Président, c'est cruel et insensé. Je pense être un bel exemple de la façon dont les réfugiés peuvent s'intégrer positivement à la vie du Canada. J'inviterai mes collègues conservateurs à abandonner leur politique de division. Ils devraient plutôt reconnaître et célébrer la contribution socio-culturelle et économique de milliers de Canadiens réfugiés, comme mes parents, qui participent à l'éducation du Canada que l'on connaît aujourd'hui. Merci. Bravo. Bravo. Bravo.